Bonjour et bienvenue à Little Boyish Mom Leslie. Je suis Leslie et aujourd'hui, on va voir l'impératif, comment dire pas de en luxembourgeois et comment exprimer ses préférences. Vous pouvez télécharger les fiches de cette vidéo en suivant le lien dans la description et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions et vos commentaires. L'impératif en luxembourgeois est très facile à retenir. Quand on s'adresse à une seule personne, on utilise le radical d'un verbe. Donc l'infinitif sans en à la fin. Quand on s'adresse à deux ou plus de personnes, on utilise le radical et on rajoute un t à la fin. Laughen, laugh, laughed. Schwätzen, schwätz, schwätzt. Machen, mach, macht. Frohen, froh, froht. Pour l'impératif, il n'y a également pas beaucoup d'exceptions. Ici, vous pouvez voir les plus communes. Sinn, sief, sit. Goen, gei, git. Gin, goff, git. Stoen, sto, stit. À vous! Essayez de compléter les phrases en utilisant l'impératif. Gei, git, an de kino. Fuhr, fuhrt, mam zuch. Kaf, kaft, a große Kuch. Mach, denk, Aufgaben. Macht, er, Aufgaben. Comme nous avons vu dans la vidéo numéro 4, la négation ne, not, n'est pas possible avec l'article indéfini. À sa place, on doit utiliser kein et kang. Les mots masculins prennent kein. Kein auto, pas de voiture. Kein Mann, pas d'homme. Kein Hund, pas de chien. Les mots féminins prennent kang. Kang vacances, pas de vacances. Kang Frau, pas de femme. Kang Katz, pas de chat. Les mots neutres, tout comme les mots masculins, prennent kein. Ke Buch, pas de livre. Ke Kant, pas d'enfant. Kein Deja, pas d'animal. Et les mots au pluriel, tout comme les mots féminins, prennent Kang. Kang Autoen, pas de voiture. Kang Katzen, pas de chat. Kang Kanna, pas d'enfant. Kein veut également dire personne et aucun. Ke Geschäft aus op, aucun magasin n'est ouvert. Kein huet Lust, personne n'a envie. À vous, essayez de mettre les phrases à la négation suivant le modèle. Ich hun eng Schwester, j'ai une sœur. Ich hu keng Schwester, je n'ai pas de sœur. De Mario huet drei Kanner, de Mario huet keng Kanner. Dir huet een Ticket, dir huet keen Ticket. Ich hun een Auto, ich hu keen Auto. Et pour finir, voici comment vous pouvez exprimer vos préférences. Pour dire qu'on aime quelque chose, on utilise gär. Pour dire qu'on préfère quelque chose, on utilise leiva. Et pour parler de la chose la plus préférée de toutes, on utilise am liebsten. Ich hu gär Schokolade, j'aime le chocolat. Ich hu lieber Karamellen, je préfère les bonbons comparé au chocolat. Ich hu am liebsten Glas, je préfère la glace et dans ce cas, la glace est la sucrerie la plus préférée de toutes.